Ça a fait tout le monde, j'espère nous en forme. Jeudi, dans la vidéo, ça nous pourrait parler de joueurs d'origine haïtienne et montrer nous sur nos statistiques qui est-ce qui a fait une belle saison. Bon, statistiquement parlant, pas un grand qui a explosé vraiment. Parce que le combiné tout chiffre, il n'a pas même dépassé 10 fois décisif saison ça. Donc, en tout cas, nous montrer qui est-ce qui était top et qui était capable d'aider la sélection nationale. Là. Pas hésiter à abonner à la chaîne là. Si vous faire ça, activez la cloche de notification pour pas rater prochaines vidéos. Allez suivre nous sur toutes les plateformes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, c'est vraiment important pour nous, pour aider les plateformes à avancer. On commence ensemble avec Jean-Kevin Augustin, qui joue 22 matchs saison ça, il seulement marqué 3 goals dans D1 pays suisse là. Joueur ça qui était considéré dans l'époque comme futur crack pays la France là, pour qu'on rejoigne 100% capacité physique là. N'a continué ensemble avec Gob et Jean-Baptiste, jeune joueur équipe Braga, qui était prêté dans la deuxième division saison qui s'est passée là, joué 26 matchs, marqué 2 goals et délivré 2 passes décisives. Ça fait les décisifs 4 fois pour saison. C'est un jeu qui est vraiment utile pour Haïti et nous souhaitons que la fédération travaille sur le dossier ça pour faire venir jouer pour nous. N'a continué ensemble avec Jacques Jean-Baptiste, c'est pas un peu le monde qui on a identité joué ça, mais elle d'origine haïtienne. La jeune D1 Honduras là, ici en milieu de terrain, il est conduit milieu offensif tout. Mbappé c'est son jeune supposé suivre comment l'a évolué. Saison passée, il joue 33 matchs, marqué 4 goals. Gagné Jules Anthony Vilsin, lui-même saison pour finir parce que la jeune MLS là, il est en joué 9 matchs et dans 9 matchs ça, il marqué 2 goals et délivré 2 passes décisives. Wilson Isidore, qui c'est numéro 10 équipe Zenit Saint-Pétersbourg là, dans le pays Russie, il pas fait une saison vraiment extraordinaire. Mais au moins, il finit champion D1 russe là et finit champion coupe russe là. Il joue 26 matchs, marqué 4 goals et délivré un passe décisif. Ruben Providence, dans D1 pays autriche là, il joue 32 matchs, marqué 2 goals et délivré 3 passes décisives. Josué Casimir, qui avait voulu dans Ligue 1, joue 33 matchs et délivré 5 passes décisives. Il pas marqué goal pour saison. Conrad de la Fuente, dans D2 pays Espagne là, joue 22 matchs, marqué 4 goals et délivré un passe décisif. Jean-Ric Nebelgad, saison ça, il joue 29 matchs, marqué 4 goals et délivré 3 passes décisives. Ça qui fait, il est décisif 7 fois saison ça. Après ça, Lenny Joseph, il joue 39 matchs saison ça, marqué 4 goals, délivré 4 passes décisives et décisif 8 fois saison ça. Il a évolué dans la Ligue 2. Et puis joueur qui fait saison qui est plus normal là dans tout jeu d'origine, c'est Otson Edouard qui joue 33 matchs saison ça. Toute compétition confondue, il a marqué 8 goals. Fais-moi connaître dans les commentaires qui ça nous passe de saison joueur ça. Si nous t'avons convoqué toi pour porter renfort by sélection nationale là, qui est sur ta pied, abonnez à la chaîne là si vous pouvez faire ça, activez la cloche de notification pour voir tes prochaines vidéos nous, à suivre sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, c'est vraiment important pour nous, pour aider les plateformes là à avancer. Merci d'être nous t'aider jusqu'à la fin, et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.